Voyons quelques cas d'équations un petit peu plus compliquées. Donc prenons par exemple 3x plus 5 égale 17. Ici, contrairement aux autres exemples vus dans d'autres vidéos, on ne peut pas se contenter de diviser par le coefficient pour arriver à x égale quelque chose. On a ce plus 5 là qui vient s'ajouter en plus. Donc on va avoir besoin de plus qu'une étape pour pouvoir arriver à la solution. Je vais le représenter visuellement et on va suivre les différentes étapes. Alors 3x. 3x, c'est x plus x plus x. Voilà mes 3x. Plus 5, plus 5 que je vais représenter par des objets, voilà 5 objets, est égal à 17. Égal 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 3x plus 5 égale 17. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire comme opération pour pouvoir avoir uniquement des x à gauche de mon égalité? Eh bien, je dois supprimer ces 5 objets. Si je supprime ces 5 objets, ici, 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, je dois absolument les supprimer aussi à droite de l'égalité. Si les quantités à gauche et à droite de l'égalité étaient équivalentes, eh bien, si je modifie cette quantité, je dois modifier de la même manière la quantité à droite de l'égalité. Voilà, j'enlève 5 objets ici aussi. Et enlever ces 5 objets, mathématiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on a enlevé 5, c'est-à-dire qu'on a soustrait 5. Donc, je peux ici soustraire 5 de la même manière, à gauche et à droite. Et qu'est-ce qui se passe pour cette équation? Eh bien, ici, ça nous laisse 3x, plus 5 moins 5, ça s'annule, tant mieux, c'est le résultat auquel on voulait arriver, est égal à 17 moins 5, 12. Eh bien, c'est bien équivalent à ce qu'on a fait ici visuellement. On a 3x est égal à 12. Maintenant, on reconnaît plus cette forme. 3x, eh bien, on a le coefficient 3. On va pouvoir diviser par 3 de chaque côté de l'égalité. Je vais changer de couleur. On divise par 3 à gauche et à droite. Et qu'est-ce que ça signifie pour notre représentation visuelle ici? Eh bien, si je veux diviser par 3, déjà, je vais me débarrasser de ces 5 objets pour que ce soit plus clair. Ici, on supprime ça. On supprime ici aussi. Voilà. Comme ça, il ne nous perturbe pas. Et donc, ici, je veux aussi diviser par 3. Hein, j'ai ce bloc de 3x que je sépare en 3 et qui me donne en fait des blocs individuels contenant un seul x. Ici, je divise aussi par 3. Donc, si je fais 3 parts égales, eh bien chaque bloc ici contient 4 objets. Mathématiquement, ici, 3 divisé par 3, ça s'annule, il me reste x est égal à 12 divisé par 3, 4. X est égal à 4. Eh bien c'est exactement le même résultat, ici, chaque x est équivalent à 4 objets. Voilà, on va voir un autre exemple qu'on ne va pas détailler autant, mais qui repose sur exactement la même méthode. On va prendre cette fois 7x moins 2 égale à moins 10. Alors, de la même manière, en plus de nos 7x, ici on a moins 2. Donc on va procéder exactement comme on a fait plus haut, et on va essayer de se débarrasser de ce moins 2 en ajoutant 2. Et donc on ajoute 2 à gauche, et on ajoute 2 à droite. Ici, il nous reste 7x, moins 2 plus 2, 0. Donc, on est arrivé à isoler juste les x à gauche. Et ici, moins 10 plus 2. Alors, on manipule des nombres négatifs. Est-ce qu'on peut représenter ça sur une ligne pour nous aider? Donc, on a 0 ici. On a moins 10 ici. Les nombres intermédiaires, etc. Moins 10 plus 2, eh bien, on gagne 2 par rapport à moins 10, on arrive à moins 8. Attention, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux, 10, moins 10 plus 2, c'est pas moins 12, hein. Si on avait, on aurait moins 12 si on faisait moins 10 moins 2. Là, on fait plus 2, donc on repart dans le sens des positifs. Moins 10 plus 2, ça fait moins 8. Moins 8 ici. Maintenant, 7x, eh bien, je divise par le coefficient. Divisé par 7 à gauche et à droite,
j'ai les 7 qui s'annulent et j'ai x est égal à moins 8 septièmes. Moins 8 septièmes, on pourrait faire le calcul et avoir un nombre décimal. On pourrait aussi le représenter par x est égal à moins 1 plus 1 septième. Puisque 8 septièmes, c'est 7 septièmes plus 1 septième. Donc 1 plus 1 septième. Cette écriture-là est correcte aussi.